Being a bit slow. Mm-hmm. Thank you. Okay. Aujourd'hui. Donc, est-ce que le quorum est atteint? Donc, c'est le parcours numéro 2. Donc, je dois fermer approche participative, sauvegarder ça. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que nous avons eu à voir dans le la rencontre passée, quelles sont les notions que nous avons eu à aborder. Donc, je voulais dire que ce parcours concerne l'analyse des données en utilisant ce trimestre, nous allons travailler sur Excel et comme je l'ai dit, dans d'autres trimestres, on va utiliser d'autres logiciels comme Power BI et bien d'autres logiciels, le temps évoluant. Donc, pour cet après-midi, nous allons continuer avec l'analyse des données avec Excel. Donc, qu'est-ce que nous avons eu à voir? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que nous avons eu à voir ensemble lors de la dernière rencontre?
J'attends vos réactions, s'il vous plaît. Ok. Donc, dernière fois, nous avons appris ce qu'on entend par liste des données. Oui, ok, on a vu, on a parlé des tri des données, on a parlé de la liste des données, des tri, comment trier, filtrer une liste de données. C'est une base de données, oui, mais c'était beaucoup plus une liste de données. Ok, super. Donc, nous avons, je vais juste revenir d'abord avant de commencer avec le cours proprement dit. Je vais revenir. Samuel Conan, je n'arrive pas à me connecter. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te connecter, Samuel? Attends, je te renvoie. Voici l'invitation, Conan. Je te renvoie ça. Donc voilà, Conan, j'ai renvoyé. OK. Donc on va continuer en espérant que Conan va nous rejoindre le plus tôt. Donc je disais que je vais commencer avec... des exercices pratiques que je vous ai donnés la dernière fois. Donc, ça, c'est l'exercice que nous venons de voir là. Donc, je ferme tout ça. Je ferme ça. OK. Donc, la dernière fois, nous avons eu un certain nombre d'exercices. Parcours numéro 2. Exercice pratique numéro 1. Concernait le tri, donc l'idée c'était de, dans le dossier trier, vous avez trois fichiers, liste randomisée, tri et tri par couleur. Donc pour chacun de ces fiches, vous avez randomisé la liste des colonnes en utilisant la liste de colonnes A en utilisant la fonction rand, tri. Trier vos données Excel sur une ou plusieurs colonnes. Tri par ordre croissant ou décroissant, sauvegarder à chaque fois en PDF. Tri par couleur, tri par nom ou toute autre colonne. Tri par couleur de cellule, si je suis donc. Malheureusement, je dois constater que beaucoup ne participent pas actuellement aux exercices que je demande. Par exemple, pour cet exercice pratique, j'ai reçu un... 2, 3. Non, ça c'est pour le filtre que je viens de recevoir pour Julien. Là, Julien a répondu pour analyse numéro 1. Héritier a répondu. Ensuite, quelqu'un d'autre a répondu. Oui, je crois que j'ai reçu. Voilà. 2 personnes. Sauf s'il y a d'autres personnes qui ont répondu, je n'ai pas vu. Jamoul, ça c'est quoi? Donc ça c'est le parcours 1, donc c'est pas ça. Donc vous imaginez que pour le nombre que nous sommes cet après-midi, qui est, nous sommes combien? Nous sommes 10 cet après-midi. On a. Ah ok, mon écran n'est pas partagé. Oh désolé. Je m'excuse. Donc, pour le nombre que nous sommes cet après-midi, vous imaginez que sur 10 personnes qui
qui suivent ce parcours, ce cours cet après-midi. Juste deux personnes ont eu à. Je crois que l'une des personnes n'est même pas encore là, héritière. Je ne crois pas qu'héritier est déjà là. Oui, non, héritier là, voilà, héritier là. Donc, sur 10 personnes que vous êtes cet après-midi, juste 2 personnes ont pu répondre aux différents exercices pratiques. Donc, les amis, je vous encourage à pouvoir répondre aux exercices. Vous n'allez pas acquérir la connaissance en suivant juste les vidéos ou en suivant juste le cours comme vous le faites cet après-midi. Vous n'acquérirez les connaissances qu'en les faisant vous-même. Il y a une théorie qui montre clairement que lorsque vous me voyez faire, vous retenez moins de 15% de ce que je fais. Lorsque vous le faites avec moi, vous retenez plus environ, on parle de 40%. Mais lorsque vous le refaites maintenant à votre niveau, c'est là où vous retenez environ 80% et beaucoup, un pourcentage beaucoup plus élevé de la notion. Donc, je vous encourage, chers amis, à pouvoir trouver du temps, vous organiser pour vous assurer que les exercices pratiques qui sont donnés, qui sont en fait la répétition de ce que nous sommes en train de nous faisons pendant le cours, cela vous permet, parce que c'est d'autres logiciels, d'autres fichiers que vous utilisez, ça vous permet de répéter ça et la connaissance va se fixer directement. Donc, je vous encourage vraiment à pouvoir suivre et à pouvoir vous assurer que les exercices pratiques qui sont donnés, vous le faites véritablement. OK, donc voilà, exercice sur le tri. Un des participants a fait le tri de A à Z. De A à Z, c'est de Henri jusqu'à Pierre. Et de Z à A, c'est de Pierre jusqu'à Henri. Donc, c'est inversé. Le tri par couleur, bon, il n'a pas travaillé dans le fichier, le dossier qui avait l'autre spreadsheet qui avait été donné à côté pour faire le tri sur les couleurs, mais il a travaillé avec le même spreadsheet, la même feuille de calcul. Voilà, c'est ça en français, la même feuille de calcul. Il a utilisé la même feuille de calcul. Mais bon, l'idée est là, c'est le tri par couleur. Donc, c'est ça pour un des participants. Pour un autre, vous avez ici. Non. Pour un autre, vous avez ici le tri. Le tri s'est fait ici. Smith, Johnson. Smith se retrouve encore en bas. Je ne comprends pas pourquoi Smith doit se retrouver encore en bas là-bas. On a Smith au début, Smith encore là. Donc, anyway, je vais reprendre ça. Vous avez tri par couleur. Voilà, tri par couleur, je crois que c'est bien fait. Vous avez Smith au début, William. Oh, anyway, je vais essayer de reprendre ça. Donc, je vais aller ouvrir parcours 2, exercice pratique. Donc, filtre. Non, trier, pardon. Trier. Le tri numéro 1. J'ouvre mon document Excel. Voilà. J'espère que vous arrivez toujours. Voilà, vous voyez. Donc, pour vous permettre de bien voir, je vais agrandir ma feuille de calcul. Voilà, vous voyez bien maintenant, n'est-ce pas? OK. Donc voilà ma feuille de calcul. On a Smith, Johnson, William, Johnson, Jones, ainsi de suite. Donc, je veux pouvoir trier ceci de A à Z et de Z à A. On a dit, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dans une cellule et vous allez ici dans l'outil tri. Donc, si je veux faire de A à Z, je fais simplement, je clique ici, sort. De A à Z, vous voyez que tous les brands, dès que je clique sur A à Z, ça commence par B, B, J, 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 O, Jones, Smith, 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 et puis vous avez William, William, William. Donc vous voyez, ça c'est de A à Z. Donc vous ne pouvez pas faire de A à Z et puis vous vous retrouvez avec Smith là-bas et ainsi de suite. Donc si je veux maintenant faire de Z à A, je vais cliquer encore dans une cellule, je vais aller ici, je sélectionne et je fais de Z à A
Maintenant, c'est tous les Williams qui sont en dessus, au-dessus. Ensuite, vous avez Smith. Ensuite, vous avez Jones. Après, vous avez Johnson. Vous avez Brown qui se retrouve maintenant en dessous. Donc, ça, c'est le tri de A à Z et le tri de Z à A. OK? OK. Donc, je vais me rassurer qu'il n'y a pas de questions. Donc, ça, c'était ce fichier où il fallait faire le tri de A à Z et le tri de Z à A. Et à chaque fois, comme je disais, vous devriez, par exemple, si je fais le tri ici, de Z à A, je devais maintenant faire sauvegarder. Je fais Save As. Et je choisis ici PDF. Je sauvegarde, je donne le nom, je sauvegarde sous forme de PDF. Après, quand j'ai fini, je fais de A à Z. Je m'en vais encore faire fichier, sauvegarder sous. Et je prends encore ici PDF. Je sauvegarde encore. OK? Donc, c'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que c'est OK? C'est ça qu'il fallait faire. Mais je ne vais pas le faire parce que je veux pas. Je crois que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, ça, c'était pour le premier exercice. Deuxièmement, moi, je n'avais pas reçu le fichier. Je vous ai envoyé le dossier. J'ai envoyé le dossier dans lequel tous les fichiers se retrouvent. Il faut toujours bien regarder le dossier que j'envoie parce que si je regardais bien, je vais aller ici. Non, non, c'est pas là. Je vais aller ici. Regardez. Ici, dans exercice pratique. Donc, vous avez ici trier. Quand je entre dans trier, vous avez les trois. Voici tri. Voici tri par couleur et tri randomisé. Si je clique sur trier, vous allez voir que voici le premier fichier et voici la première feuille de calcul, pardon. Et vous avez la deuxième feuille de calcul qui est ceci. Custom list. Vous avez one or multiple column et custom list. Voilà les deux qu'il y avait pour notre premier. Le tri randomisé, c'est celui-ci. Il est là, juste une seule feuille de calcul. Et puis vous avez le tri par couleur qui est aussi qui a aussi une seule feuille de calcul. OK? Héritier, c'est ça que j'avais, c'est le lien que j'avais envoyé. Et je suis surpris que vous me dites que vous n'avez pas reçu le fichier. OK, pas de souci. D'accord, donc, voilà un peu pour le premier. Donc, pour le second, je vais maintenant. Permettez que je travaille. Maintenant, tri par couleur, si je clique ici sur mon fichier s'ouvre. C'est le même principe, mais simplement qu'ici, je vais encore agrandir un peu, simplement qu'ici, c'est le même outil, en fait, le même outil qui est là qu'on utilise. Donc ici, vous avez toujours la même liste, mais vous avez des noms qui sont soulignés avec un certain nombre de couleurs. Et donc, ce que je fais, c'est que j'ai toujours mon curseur qui est, je clique dans une cellule, je m'en vais ici. Quand je clique ici à côté, au lieu de prendre A à Z, ainsi de suite, je prends tri personnalisé pour vous qui êtes en français, ça c'est tri personnalisé. Chez moi, c'est custom sort. Je clique dessus. Quand je fais tri personnalisé, est-ce que vous voyez bien mon écran? OK, vous voyez bien mon écran, c'est ça, super. Donc, sur tri personnalisé, je vais sélectionner ici que je vais utiliser comme colonne, c'est le colonne last name que je vais utiliser pour pouvoir faire mon tri. Et ici, au lieu de sort, je ne vais pas utiliser la valeur, mais je vais utiliser la couleur de la cellule. C'est ça que je vais utiliser comme élément de tri. Et il me demande
Pardon, quelle couleur je vais utiliser? Vous avez trois options. Vous avez le rose, vous avez le vert, vous avez le jaune. Je peux choisir n'importe lequel, ça va. J'ai choisi par exemple le vert, je dis OK. Quand je dis OK, vous voyez que ici, vous avez le vert qui se met au-dessus, tout ce qui est vert qui se met au-dessus. Vous avez tout ce qui est vert qui se met au-dessus, le jaune qui se met en bas, et puis vous avez le rouge qui se met, il reste un peu en désordre comme c'était au début. Maintenant, je vais pouvoir classer toutes les couleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois faire? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois faire? Donc, j'ai déjà classé le vert. Pour gagner en temps, je vais y aller. J'ai déjà classé le vert. Je vais maintenant dire, donc, je fais last name en utilisant la couleur. Je fais le vert. Ensuite, j'utilise encore last name, toujours la couleur. Mais je vais maintenant classer le rose. Et ensuite, je vais faire toujours last name, la couleur. Et je vais utiliser maintenant le jaune. Le jaune va être mis en dessous. Donc, je fais OK. Vous voyez, maintenant, vous avez tous les verts qui sont au-dessus, tous les rouges qui sont là et tous les jaunes qui sont là. OK? Est-ce que tout le monde a vu ça? Le tri par couleur. Ici, nous avons, parce qu'on avait trois couleurs. Donc, on a ici, avec le tri personnalisé, on a la possibilité d'avoir trois, les trois options qui sont données. Donc, faire par le vert, ensuite par le rouge, ensuite par le jaune. Classer tous les verts, classer tous les roses et ensuite classer tous les jaunes. Donc, c'est ce que je demande avec cet outil personnalisé. Et quand je le fais, donc, vous avez tous les verts qui se mettent ensemble, tous les rouges qui se mettent ensemble, tous les jaunes qui se mettent ensemble. OK? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Chilombo dit non, ce n'est pas bon. OK, je vais donc reprendre. OK, je vais reprendre. Les amis disent non. Donc, je ferme ça. Il dit sauvegarder. J'ai dit non, ne sauvegarde pas. Je ferme ça aussi, je ne vais pas sauvegarder. Je crois que pour ça, c'était bon. Je ne vais pas sauvegarder aussi ça. Mais je m'en vais. Maintenant, je repars ici dans mon. Je m'en vais ouvrir mon dossier tri par couleur. Donc, vous avez reçu, par exemple, imaginez, vous avez reçu une liste des personnes, des vendeurs, et puis qui sont soulignés avec une certaine couleur. Et vous voyez qu'ici, vous avez trois couleurs et vous voulez mettre tous ceux qui ont la même couleur ensemble. Donc, on a dit que je dois agrandir un peu pour que ce soit bien visible. Voilà. Donc, pour le faire, je viens ici dans mon outil de tri. L'outil de tri, dans l'outil de tri et de filtrage. Je fais ici, je clique sur outil de tri personnalisé. Et dans l'outil de tri personnalisé, je dis, j'ai des différentes options qui me sont données. Je vais aussi agrandir ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, je dis trier par le last name, le dernier nom, ici c'est last name. Et ensuite, la valeur ici, ce n'est pas la valeur que je veux, mais je veux plutôt la couleur. Et dès que je clique couleur, vous voyez que l'option, je peux d'abord vouloir classer les roses. Ensuite, je clique sur plus ici. Il me dit, je sors ceci. Ensuite, je fais toujours les last name, toujours en couleur, mais cette fois-ci, je vais faire les verts. J'augmente encore, je fais par le dernier last name. Toujours, la valeur ici, c'est la couleur de la cellule. Et au lieu du rose, je fais le jaune clair. Donc, je suis en train de dire ici à Excel de me classer tout ceci parce que j'ai vu que en fait, je n'ai même pas besoin de voir. Dès que si je fais encore plus ici, je mets toujours last name.
je mets last name, je dis valeur, cellule, couleur. Quand je viens ici, les options n'existent plus. Donc, si on vous a, même si vous ne connaissez pas la quantité de couleurs que vous avez, toutes ces options que vous avez vont s'afficher ici. Quand j'ai effacé la première fois, ça m'a permis de voir que j'ai trois options. Donc, le dernier, là, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais enlever simplement. J'ai mes trois options. Quand je l'ai fini, je dis OK. Quand je dis OK, vous voyez que tout est classé selon le rose, le vert et le jaune. C'est bon maintenant? OK, super. Voilà, c'est clair maintenant. Super, super, d'accord. Donc, c'est ça quand même, le tri par couleur. Donc, ici, il nous reste 9 minutes. On va faire l'autre exercice. Donc, l'autre exercice, il concerne la liste randomisée. Donc, je vais ouvrir la liste randomisée. Donc, l'idée ici, c'est de dès que vous avez ici randomisé, vous choisissez tout ça. Donc, ce n'est pas juste vous avez déjà la fonction randomisée qui était activée. Vous choisissez tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc j'ai la fonction randomisée, je viens, je sélectionne tout. C'est premièrement, j'ai ça. Et quand j'ai ma fonction randomisée, je sélectionne donc tout. Voilà. Vous voyez que maintenant, il a classé ceci de manière randomisée. Donc, je vais revenir. Au départ, ici, c'était 0,77, 0,6, 0,1, ainsi de suite. Donc, quand j'utilise la fonction randomisée, ça permet, n'est-ce pas, d'avoir une liste randomisée. Vous avez Access, OneNote, PowerPoint, Leads, ainsi de Excel. Donc, cette liste maintenant est classée et triée de manière randomisée. Parce que ça, c'est, supposons que ce n'était pas encore là, vous devriez mettre ici, non, vous deviez mettre, ça, je peux enlever d'abord. Donc, vous avez la fonction randomisée. Voilà, donc, je sélectionne là. Voilà, quand je fais ça, je dis OK. Vous avez cette liste-là qui se met de manière randomisée. Donc, voilà un peu pour le premier groupe d'exercices, c'est ça qu'il fallait faire pour liste randomisée, tri et puis tri par couleur. Le deuxième groupe d'exercices, c'était les filtres.
vous avez beaucoup plus de filtres. Je vais pas faire les filtres maintenant parce que beaucoup de gens n'ont pas fait les filtres. Donc maintenant que vous avez compris les exercices, je vais m'arrêter là pour les filtres. Donc je repars ici par coup 2. Vous avez exercice pratique 2. Vous avez filtré. Donc tous les fichiers pour faire les filtres sont là et les explications sont données. Donc je vais laisser cet exercice pratique pour vous encourager de le faire et puis on va le corriger la prochaine. On va corriger ces exercices sur le filtrage la prochaine fois. Mais je voudrais que vous puissiez chacun le faire de lui-même. Et comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'inventer la roue. Si vous ne vous retrouvez pas, allez sur le net, faites des recherches, comment trier comment faire le filtrage d'une liste, comment faire le filtre, lisez, regardez l'exercice. Essayez de comprendre ce que ça dit. Si vous ne vous retrouvez pas, allez sur le net, faites des recherches, faites l'exercice, sauvegardez par PDF et envoyez par mail. Je vous en prie. Faites-le pratiquement par vous-même. C'est qu'en pratiquant que les choses vont vous allez pouvoir maîtriser ce qui est fait. Donc, je ne vais pas faire le filtre cet après-midi. Je vais laisser le filtre parce que je suis, comme vous l'avez constaté ici, aujourd'hui, après que nous ayons vu les graphes, vous avez une série d'exercices. Donc, regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fichiers que je vais vous envoyer, que je vais mettre comme exercice pratique numéro 3. Donc, vous aurez tout ça pour pouvoir faire. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais il faut vraiment prendre du temps pour le faire. C'est très important. Et ce n'est que comme ça que vous allez devenir des experts dans l'analyse des données. Lorsqu'on va vous. Parce que tout ça, peut-être pour le moment, vous ne voyez pas encore l'analyse, mais vous allez le voir plus tard comment tout ce que vous allez apprendre, vous êtes en train d'apprendre maintenant pour analyser ces données qui vous sont données. Quand on va mettre dans des projets, dans des problèmes concrets, vous allez voir comment tout ce que vous avez eu à faire ici est très, très utile pour la suite. Donc, je vous encourage à le faire pratiquement. Donc, je vais arrêter cette vidéo pratique pour le moment. Et dès que je relance la vidéo, je relance la réunion, on va voir les graphiques. On va voir les graphiques. Et je vais aussi vous envoyer tout de suite les fichiers que nous allons utiliser pour pouvoir travailler sur les graphiques. OK? Donc, voilà, les graphiques, je vais vous envoyer ces fichiers tout de suite pour vous permettre de le faire en même temps que moi. Donc, j'arrête la réunion pour le moment et on se retrouve tout de suite dès que la vidéo s'est rebobinée. Je vais vous relancer la réunion pour que nous puissions continuer. À tout de suite.